Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 26 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Pezayin de Zvahim. Pezayin, on est arrivé à la 8e ligne, Matrifla Rav Yosef. Alors hier on a vu Mahloket entre Rabba et Rav Hasda au sujet donc des morceaux de viande qui sont tombés du Mesbeh avant Hatzot. Alors on a dit, si il les a remis après Hatzot, selon Rabba, comme il n'existait pas Hatzot dans le Mesbéah, on peut jusqu'au Hatzot de la nuit prochaine, on peut encore les mettre sur le Mesbéah s'ils sont tombés. Alors que Rav Hasda, il a dit non, à partir de l'aube, c'est terminé, ils sont déjà considérés comme confirmés comme Korban et c'est terminé. Ça, c'est la première mahlokhet. Et la deuxième, on a dit que si la viande allait tomber avant Hatzot, et le Kohen, il les a remis après l'aube le matin, là aussi, Rabba, il dit la même chose. Donc, tant qu'on est dans la première moitié de la nuit prochaine, on peut les remettre. Et Rav Hasda, il dit non, dans ces cas-là, puisqu'ils sont restés jusqu'à l'aube, en bahim aikul olam, c'est-à-dire, donc, tout le temps, on doit les remettre pour les consommer. Matrivla Rav Yosef, donc on est arrivé à la 8e ligne. Rav Yosef objecte au mal, les malins des hassots, les roches à mesbih, meshavia, les ho aikul. Pourquoi Rav Yosef dit comme ça? Pourquoi on a décidé que c'est hassot qui détermine, est-ce que, parce que nous on a dit, si les morceaux de viande tombent avant hassot, donc on a encore le temps de les faire, de les remettre sur le mesbih s'ils tombent. Ça veut dire que si à hassot, ils étaient sur le mesbih, dans ces cas-là c'est terminé. Qui a dit que hassot, c'est le moment où il détermine le korban qu'il est déjà donc consommé ou pas, et auquel cas, si il tombe, on n'a plus le besoin de le remettre sur le mesbéa. Dilma, peut-être, tout le temps qu'on peut trouver, c'est-à-dire à n'importe quel moment que la viande se trouve, eh bien, ils sont considérés comme déjà consommés. Et on n'a pas besoin de les remettre sur le mesbéa. Pourquoi on détermine ce point de hatzot? Alors, le Gemara dit, Shalhum Etam, on a envoyé donc de là-bas d'Israël, Herkita qui est Rav Yosef. Alors, effectivement, comme Rav Yosef, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin, donc le Hatzot, ce n'est pas déterminant. Et donc, à n'importe quel moment, lorsque le Korban, il était sur le Mesbéa, dès le moment où Hatzot est passé, ils sont déjà considérés comme Meroukalim. C'est-à-dire, ils sont déjà, le korban est déjà validé, et même s'il n'était pas sur le mesbéa. Alors, on dit aussi, si les morceaux de viande, ils se sont donc séparés du mesbéa avant Hatzot. Et le Kohen, il les a remis, mais après Hatzot. Donc, on n'a pas le droit d'en profiter, mais velo mo'alin. Et si on a profité, il n'y a pas de Meïla. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de Meïla, ça veut dire que le Korban est déjà valide. Parce que s'il n'est pas valide, il y a encore Hayou Meïla. Et donc, il lui a dit, voilà aussi, si c'était enlevé avant Hatzot et les a remis après Hatzot, là aussi, il y a Medi Meïla. Donc, tu vois bien que il n'y a pas de détermination par rapport à Hatzot. Alors la Gemara dit, Vichim Amal et Rapapa le Abaye, Rapapa le dit Abaye, Vichim Ahad et Shalom Itam le Chedak Rav Yosef, puisqu'on a envoyé l'Alakha comme Rav Yosef. Vichim Rabbi Chaya Balaba, et Rabbi Chaya Balaba aussi il a dit la même chose. Et Vichim Tani Bakapala, et on a dit quand Tani Bakapala il dit la même chose, comme quoi le Hatzot ce n'est pas déterminant. Alors là-bas, Rav Hasda, de quoi il discute Rav Hasda? Puisqu'on a déjà dit que la halakha, ce n'est pas Hatzot qui détermine. Amalé Bashemenim. Il dit non, on parle de ça, ici, enfin, des cas où on a des animaux très gras. Et même si, on va dire comme ça, même si la viande, elle a durci avec donc, le feu du Mesbéah, donc. Et comme c'est gras, peut-être que l'intérieur n'a pas encore brûlé à cause de la graisse qui est à l'intérieur des morceaux de viande. C'est pour ça qu'eux, ils discutent, est-ce que s'ils sont tombés avant Hatzot, on les a remis après,
Est-ce que c'est pas soul par rapport à Modachar ou par rapport à l'aube? C'est pour ça que Rabba et Hasda, ils discutent que de ce cas-là, où même si la viande paraît grillée, on va dire comme ça, de l'extérieur, peut-être qu'à l'intérieur, elle n'est pas encore grillée. Ba'amene Rava me Rabba. Rava, il pose la question de Rabba. Il lui dit, Lina mo'alet b'rosho shel mezbeach, o ena mo'alet b'rosho shel mezbeach. Nous, on sait que lorsque la viande du korban, par exemple, elle passe toute la nuit, qu'on a pas, les graisses interdites qu'on devait mettre sur le mezbeach, et elles passent toute la nuit, et on les a pas sur le mezbeach, on les a pas mis, ça s'appelle l'âne, ça s'appelle passer la nuit en dehors du mezbeach, et c'est pas soul. Maintenant, il lui dit, si maintenant la viande, elle n'était pas en dehors du mezbeach, elle n'était pas en dehors du bétamidash, elle était sur le mezbeach même. Et elle est restée toute la nuit sur le mezbeach. Et on ne les a pas mis sur le feu pour brûler. Est-ce qu'on considère ça comme lina pour rendre pasoul ces morceaux? Lina passait la nuit dehors. L'âne passe la nuit dehors. Et donc, est-ce que c'est considéré comme lina, c'est-à-dire passer la nuit en dehors du Beit HaMikdash, et donc on n'a plus le droit de les mettre sur le mezbeach? Oh, ou bien on va dire non. Et nam a'elet b'ronchus le mezbeach. Quand on est sur le mezbeach, ça ne s'appelle pas passer la nuit en dehors. Nous, on sait que les morceaux, ils doivent être sur le feu pour brûler la nuit. Voilà, ces morceaux n'étaient pas sur le feu. Ils ont passé la nuit en dehors du feu. À côté. À côté, sur le mezbeach, mais à côté. Alors, soit tu considères comme si ils étaient dehors, et donc c'est pas sûr, on n'a plus le droit de les remettre. Soit tu considères, non, c'est rien, puisqu'ils sont sur le mezbeach même, c'est considéré que c'est leur place. C'est la question qu'il lui pose. Non, c'est pas hors temps. Le Cohen, il n'a pas fait de mauvaise pensée ici. On a tout fait correctement. On a mis les morceaux de viande sur le mezbeach pour les mettre sur le feu. Et apparemment, pas comme ça, sans faire exprès, on a oublié de les mettre. Mais ils étaient sur le mezbeach à côté. Alors, l'agmara lui pose. Donc, ça, c'est Rava qui pose la question à Rabba. Alors, il lui dit, Hechidami, c'est quoi le cas? Elima delo yardou. Si tu me dis que quand ils étaient sur le mezbeach, on ne les a pas fait descendre. Alors il lui dit, dans ces cas-là, c'est quoi? Il n'y a pas de question. Pourquoi? Hashta la nuba azara amra delo yirdu. Berochosh le mezbeach mebaya. Il lui dit, si déjà nous, on a posé la question, quand la viande, elle est restée en bas, dans la cour du Beit HaMikdash, d'accord, toute la nuit, on ne l'a pas fait monter sur le mezbeach. Et on a dit, si maintenant on a monté sauf un exprès, on ne la descend pas. D'accord? De la viande qui était en bas, pas sur le mezbeach, en bas dans la cour. Et on a oublié de la mettre la nuit sur le mezbeach. D'accord? Normalement, elle ne doit pas monter. Mais si on s'en va exprès, on l'a monté sur le mezbeach, alors on la laisse brûler. Celui-là qui était sur le mezbeach même, a fortiori qu'on peut la faire brûler, ce n'est pas un problème. Tu ne vas pas la faire descendre. Donc, la question ne se pose pas. Donc tu vas me dire non, on parle ici des yardou. On a fait descendre les morceaux déjà. Ça veut dire on a des morceaux sur le mezbeach. Ils ont passé toute la nuit sur le mezbeach. Ils n'étaient pas sur le feu. Et le Kohen s'en fait exprès, il les a fait descendre en bas. Alors il lui dit, donc la question quoi? Est-ce qu'on les remet, on les remonte sur le mezbeach ou non? Alors il dit, c'est quoi la question? Les shulhan madminan là. Est-ce qu'on va comparer ça au shulhan, la table dans laquelle on mettait les 12 pains? Dites-nan, la Mishnah dit comme ça. Nous savons que les 12 pains, on les mettait le Shabbat et on les mangeait Shabbat d'après. Et il fallait obligatoirement que ça reste 8 jours comme ça. On fait cuire le pain le vendredi, on les met sur la table le Shabbat, il reste sur le Shabbat jusqu'à Shabbat prochain. Obligatoirement, il faut qu'il reste 8 jours. Et la Mishnah dit, Afelohin ala shulhan yamim rabim im bechaklou. Ils restent frais toute la semaine. Toute la semaine. Shabbat, on les récupère chaud comme le vendredi en sortant du four. Maintenant, la Mishnah dit comme ça. Imaginons que le pain, il est resté plus que 8 jours. Ok? Alors, il dit, c'est pas grave. Imaginons, pour X raisons, on les a laissés 2 semaines sur la table. Et c'est valable. C'est-à-dire, le fait de rester plus longtemps, c'est pas un problème. Et donc, on va dire la même chose ici.
la viande, elle est restée sur le Mesbéach toute la nuit. On a dit donc, on les a laissés sur le Mesbéach toute la nuit. Après, on les a fait descendre. Alors, on va dire chez nous aussi, c'est pas grave, tu les remets sur le Mesbéach. C'est pas grave, parce que comme sur la table, même si ça reste longtemps, c'est valable. Là aussi, on les remet sur le Mesbéach encore. Ou bien, donc c'est pas ça, est-ce qu'on compare ça à la table, oui ou non? Ou Dilma. C'est ça. Alors, est-ce que tu dis on va comparer ça comme la table dans laquelle on mettait les 12 pains? Ou bien, on compare ça au karka, c'est-à-dire au sol. On a mis les morceaux de viande au sol. Et quand on les a fait descendre au sol, alors on n'a plus le droit de les remonter. Et plusieurs tables? Une seule, pourquoi? À l'époque de Shlomo HaMelech, il a fait 10 tables supplémentaires, mais on ne mettait que sur la table de Moshe Rabbeinu. Mais c'est-à-dire que s'il reste 2 semaines... Si le pain reste 2 semaines sur la table, sur une semaine, il n'y aura pas de nouveau pain. On ne sait pas pour quelle raison. N'importe quelle raison, il est resté plus. Alors, Oudilma, donc l'Agma a dit, ou bien on va dire, on va le comparer au sol. Et donc, s'ils sont au sol, donc ils sont pas saouls. Donc c'est ça la question qu'on pose. Alors, Amal, il lui a dit, Inlina Berusho Shel Mesbéach. Il lui a dit non. Il n'y a pas, ça ne s'appelle pas passer la nuit en dehors. Donc si on a laissé des morceaux de viande sur le Mesbéach, ils sont restés toute la nuit, on peut les remettre sur le feu, ce n'est pas un problème. Ça ne s'appelle pas que c'était dehors. Donc ça, c'est la réponse que Rabba il a donnée à Rabba. Alors bien, l'Agma a dit, « Kabila mineola. » Est-ce que Rabba il a accepté cette réponse, oui ou non? Tashema, l'Agma le ramène ici. « Dit Itmar, on a enseigné. » Ibarim shelanu ba'azara. Des morceaux de viande donc qui ont passé la nuit ba'azara dans la cour du Beit Hamidash. Mekatel ve'oler kol ha'layla. Il peut donc les mettre toute la nuit sur le Mesbéach. Maintenant, l'an berosho shel Mesbéach. Si maintenant ils sont restés la nuit sur donc le Mesbéach lui-même au-dessus, Mekatel ve'oler le'olam. Alors, il peut les mettre là-bas tout le temps. Ça veut dire, tant que les morceaux ils étaient sur le Mesbéach, on peut les mettre donc, même s'il reste plus qu'une nuit. Maintenant, le problème, Yardou, si quelqu'un les a fait descendre, Rabba Amar Ya'alou, comme il vient de dire là-bas ici, il a dit qu'il n'y a pas de problème sur le Mesbéach, on les remonte. Rabba Amar Ya'alou, Rabba il dit non, on ne les monte plus. Donc tu vois bien que Rava n'a pas accepté la réponse de Rabba. Que Rabba lui a dit, mais s'ils sont restés toute la nuit en dehors de Mesbéach, c'est pas grave. Il dit, non monsieur, je ne suis pas d'accord. Il en manque. Après on a dit dans la Mishnah, car Hakevesh Mekadesh Rabbi. On a dit de la même façon que le Mesbéach, si on met des choses dessus, dans toute la liste des choses qu'on a dit, que si on les monte, on les laisse, on ne descend pas. Alors, il y a la même chose, la pente du Mesbéach. Si on a commencé à monter les choses sur la pente, même si on n'est pas encore arrivé au Mesbéach, les choses qu'on doit laisser sur le Mesbéach, on les laisse aussi sur la pente et on continue la même chose. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. C'est marqué dans le pasuk, Hanorea ba Mesbéach Yikdash. Ce qui touche le Mesbéach, il est sacré. Alors, elle est la Mesbéach. Donc, on a dit, mais attends, là, c'est le passage qui dit Mesbéach. Il n'y a pas marqué la pente du Mesbéach. Kevesh Menaï. Où tu as vu que la pente aussi, ce qui touche la pente, ça devient sacré. Le Moudomar est la Mesbéach. Là, on a dit, non, il y a marqué est la Mesbéach. Comme il y a marqué au Macharta est la Mesbéach, le est, ça inclut aussi la pente avec. Maintenant, là, on a dit que les Charit Menaï. Si maintenant on a mis quelque chose dans les charrettes, quelque chose qui est pas saoul, est-ce que là aussi ça consacre la chose? Donc même les clés charrettes, si on met des choses qui sont pas saoul là-bas, ils deviennent kadosh, donc, et on les laisse. Bien, maintenant, Baham Neresh Lakish Mer Rabbi Yohanan. Rajagish, il pose la question à Rabbi Yohanan. Il lui dit, clés charrettes, donc c'est la question. Est-ce que quelque chose de pas soul, qu'on a mis dans un qui est les charrettes, dans un ustensile de service de Beit HaMikdash qui sont kadosh,
Est-ce que, comme le mesbéar, on a dit, si on a mis des choses sur le mesbéar, tu les laisses. Est-ce que la même chose, un clé charrette, un ustensile de service de Bétamédage qui est kadosh, on met des choses qui ne sont pas valables, ça valide quand même la chose. Amal, il lui a répondu, Tanitoha, vous l'avez déjà étudié. Keshem sheham mesbéar ve'akevesh mekadshin et ala ouilahen, car keli mekadshin. Il a dit, vous l'avez déjà étudié cette notion. La Mishnah a dit, de la même façon que le mesbéar et la pente, ils consacrent ce qui est apte, même si des choses qui sont pas saoules, qui sont montées, ils sont considérés comme sacrés. Les kélim aussi, ils peuvent mekadshim, c'est-à-dire ils consacrent les choses qui sont donc pas saoules à l'origine, mais qui sont aptes au Bétamikdash, eh bien, ils sont aussi kadosh. Et donc, quand on dit il est consacré, ça veut dire tu les amènes tel quel. Tu ne vas pas me dire il est pas saoul, il faut le racheter contre un autre, etc. Amalé, Rechakish, il dit Rabbi Yohanan, moi, ma question, les khatrila, les khalav kamebaïli, est-ce qu'on peut quand même les amener en tant que korban ou non? Alors, il lui dit Hanami Tanin. Il lui dit mais ça aussi, vous l'avez étudié. Où c'est qu'on a étudié? Il lui dit, voilà, c'est marqué, on a vu dans notre Mishnah, Shekhebelo Pesulin, Wizadru et Damo. On a dit dans la Mishnah comme ça, si un Pasoul, c'est-à-dire un non-Kohen, donc soit Israël ou un Kohen Pasoul, qui donc, ils ont réceptionné, ils recueilli le sang du Korban, ou bien Wizadru et Damo, ou bien, et donc il a aspergé donc le sang. Pour l'instant, on dit Kebelo Wizadru. Si on a un Israël qui n'est pas Cohen, donc, il a réceptionné le sang du Corban et il a aspergé le sang du Corban. Là-bas, dans la Mishnah, on a dit, donc évidemment, ça, c'est pas saoul. Mais dans la Mishnah, on a dit, si malgré tout, on a pris les graisses, on les a montées sur le mesbéar, on les laisse. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux? Là, on a dit, Maï, là où Shekiblo, Pesulin, ou Zarko, Pesulin. Donc, on parle bien du cas où c'est le Israël qui n'est pas Cohen, qui a réceptionné et qui a aspergé le sang. D'accord? Donc, s'il a aspergé le sang, ça veut dire que le sang qui était dans le clé charrette, puisque le sang, on le recueille dans la coupelle pour aller l'asperger, et on a dit, donc, si on a monté les mourim sur le mesbéar, ils sont cachés, ils sont valables. La coupelle elle-même, elle est consacrée. Elle est toujours. Mais le problème ici, c'est que c'est un Israël qui a fait l'aspersion. Oui, mais la coupelle... C'est la question. C'est la question. Puisque quand c'est un Israël qui a réceptionné le sang, donc le sang déjà, c'est pas valable. Mais la coupelle, elle est sacrée. Oui, mais celui qui a réceptionné, il n'est pas valable. Donc déjà, le sang qui coule, il n'est pas bon. Maintenant, après, tu me dis que on peut continuer à faire l'aspersion. Donc ça veut dire que le clé s'arrête, il consacre, même pour faire le sacrifice. La réponse à sa question. Grâce à la coupelle qui rend absolument le produit sacré. C'est exactement la réponse à notre question. Alors, il lui dit non. Ça, ce n'est pas une réponse. Là, chez Kebelo Pesulin, il dit là-bas, toi, tu as cru que Kebelo Pesulin, Ouzako Pesulin, c'est-à-dire un Pasoul, il a recueilli le sang, donc le sang, il est Pasoul. Et la suite, c'est un autre Pasoul qui a donc aspergé le sang. Il dit non, là-bas, on ne parle pas des deux. C'est ou l'un ou l'autre. C'est soit Kebelo Pesulin, seulement. Et donc, c'est un Cohen après qui a donc fait la réception. Ou encore, c'est Zarko Pesulin. C'est pas les deux qui ont fait. Et donc, il n'y a pas de preuve que le clé charrette, il donc consacre quelque chose de Pesulin. En tout cas, pour l'offrir sur le Betamidash, sur le Mizbeah. Bien, l'Agmara pose une question. Avid Mizbeah, Kam Mizbeah Dami, Ola. L'Agmara dit maintenant, nous, on a dit que quand on fait monter quelque chose sur le mesbéar, il est mekadesh, c'est-à-dire, donc, ça sanctifie. Alors, il lui pose la question, l'espace aérien du mesbéar, est-ce qu'il est considéré comme le mesbéar pour mekadesh, ce qu'on lui amène, ou pas? Alors, la Gemara a dit, Tachema, viens apprendre. C'est marqué, Keshev Shea Mesbéar Mekadesh, Kar Kevesh Mekadesh. On vient de dire maintenant, que de la même façon que le mesbéar consacre ce qui monte chez lui, même si ce qui monte, ce n'est pas bon, le mesbéar, il les rend quand même kadosh. On a dit de la même façon, kevesh mekadesh. La pente du mesbéar aussi, elle est mekadesh. Donc, si on monte des choses sur la pente,
ils sont quand même kadosh. Alors bien le Mahdi, vei amrat avin mizbeh lau kam mizbeh dami, avin kevish dami lau kam kevish dami. Ichi masir le me kevish mizbeh. Habali arud. Le Mahdi, si maintenant on dit que l'espace aérien du mizbeh, c'est pas comme le mizbeh. D'accord. Si on dit que l'espace aérien du mizbeh, c'est pas comme le mizbeh. Donc on va dire que l'espace aérien de la pente non plus, il n'est pas comme la pente. Alors dans ces cas-là, comment, lorsque le Kohen, il prend les morceaux de viande et il les monte de la pente jusqu'au Mesbéa, forcément, le Kohen, en passant de la pente vers le Mesbéa, il les prend dans les bras. Ils ne sont pas sur sur la pente, ils sont dans ses mains, donc ils sont dans l'espace aérien. Et si tu me dis que l'espace aérien, c'est pas comme la pente, donc ça veut dire que comment, donc déjà en étant sur l'espace aérien, ils sont pas souples déjà. Si tu me dis que l'espace aérien, c'est pas comme le support, le bas, donc le fait de mettre les membres, les morceaux de viande ou les graisses dans les mains du Kohen, ils sont en l'air, ils ne sont pas sur le Mesbéa, sur la pente, en bas, sur le sol. Donc ils ne sont pas souples puisqu'ils ne sont pas sur le sol. Si on dit que l'espace n'est pas le même, ok ? Il y a un contact quand même. De quoi ? Un contact entre les morceaux de viande, le Kohen et le Kodesh. Il y a un lien quand même. Le problème, n'oublions pas que le Kohen, il doit marcher pieds nus sur le Mesbéa. Sinon. Mais c'est pour ça. Oui, mais le Kohen, si un Kohen il met son pied sur un autre pied d'un Kohen, c'est pas bon. On a dit que ça marchait. Ah non. S'ils sont pieds nus l'un sur l'autre, vous avez dit que ça marchait. Oui. Ah non, un pied, non, jamais. On a dit que le pied du Kohen doit être au sol, mais il ne peut pas être sur un autre pied. Alors dans ce cas-là, non, pas le pied d'un autre Kohen, je ne sais pas. Eh bien là aussi, la viande, elle est c'est comme si elle était sur le pied d'un autre Kohen. Quoi qu'il en soit, si tu dis que l'espace aérien n'est pas comparable au sol, il y a un problème. Les morceaux qui sont passés par la pente, ils n'étaient pas sous en l'air. Alors comment tu vas l'amener sur le mesbéa s'ils ne sont pas sous? Si le Kohen est pieds nus sur la pente. Même surtout le mesbéa. Dans des considérations un peu particulières, on peut dire qu'il récupère l'énergie de cette pente puisqu'il communique directement. Non mais on ne parle pas d'énergie. On est obligé d'avoir un contact. Non, on veut un contact physique. C'est pas énergique. Mais c'est un contact. Vous mettez les doigts dans la prise, vous prenez le courant. Mais encore une fois. Vous êtes sur le sol, vous prenez l'énergie. Enfin. Même si on est avec la chaussure, on prend quand même le courant. Vous avez dit. Donc vous communiquez avec le sol sur lequel vous êtes. Très bien. Il est brûlant, il est glacé, vous ressentez le chaud, le brûlant. Donc très bien, mais si je mets mon pied sur un autre pied, sur le pied d'un autre Kohen qui est au sol, si le sol il est chaud, moi je ne sens pas la chaleur. Parce que... D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, les Kohanim ne doivent pas, ils doivent être pieds nus sur le Mesbéa. Maintenant, la question, elle est, si nous on a posé la question, est-ce que l'air, l'espace aérien du Mesbéa, c'est comme le Mesbéa, oui ou non? Alors, comment on lui dit? Si tu dis que c'est pas comme le Mesbéa, il y a un problème. D'accord? Alors, qu'est-ce que le Mahdi a dit? Ichemasir le Mekevish le Mesbéa. Havale, Yadout. Donc, c'est comme si on l'a fait descendre, puisqu'il n'est pas dans l'endroit qui est bon. Alors la Gemara répond, Dénagadli. La Gemara répond, dit, tu sais quoi? Le Kohen, il ne porte pas les morceaux dans la main. Il les traîne. Il les traîne sur la pente. Donc, ils n'ont jamais quitté le sol. Ok? Mais la Gemara a dit, mais ça, ce n'est pas possible non plus. Rappelez-vous, on a dit entre la pente et le Mesbéa, il y a un ou deux centimètres d'espace vide. Alors quand ils vont traverser cet espace aérien, il y a un problème. Alors la Gemara a dit, ce n'est pas un problème. Pourquoi? La Gemara a dit, attends, même si tu dis qu'il y a un Mesbéa ici, et tu as la pente ici, et qu'il y a même s'il y a 5 centimètres d'espace vide. Voilà. Et bien, c'est pas grave parce que, dans tous les cas, quand tu montes le morceau en le traînant au sol, alors soit tu dis que le morceau, sa majorité, elle est là, sur la pente, et une petite minorité là-bas, elle est dans l'air ou dans le Mesbéa, c'est pas grave, ça, on va sur la majorité. Et si on a fait entrer le morceau plus dans le Mesbéa, la majorité de Mesbéa, donc dans tous les cas, il y a toujours. Le morceau, il va selon la majorité où il se trouve, donc c'est pas un problème. Alors, moi, dis, si c'est comme ça. Il dit, on peut alors, si on répond comme ça, on peut déjà répondre à la question que Rabbi Bar Hama a posée. Quelle question il a posée à Rabbi Bar Hama?
Il a dit Rabbi Hamel a posé une question comme ça. Il dit, est-ce que Yahibour, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que lorsqu'on fait monter un morceau sur le Mesbéa, si la majorité du morceau allait sur le Mesbéa, même s'il y a encore un morceau qui n'est pas sur le Mesbéa, est-ce que tu les considères comme associés ou non? Or, selon ce qu'on vient de dire maintenant, puisqu'on a dit que même s'il y a un espace aérien, on va selon la majorité là ou là, il faudrait répondre que oui. Alors pourquoi on n'a pas répondu à la question de Rami Bahama? C'est ce que Rami a dit. Est-ce qu'il y a association entre les deux morceaux? Est-ce qu'il y a rattachement, oui ou non? On aurait dû répondre oui, comme on vient de dire ici. Alors l'Agma a dit, il n'y a pas de problème. Oui, tu as raison, tu peux répondre à la question. Alors vient l'Agma maintenant à l'objet et dit comment? Il dit, comment tu te poses la question, est-ce que l'air du Mesbéah, l'espace aérien, il est comme le Mesbéah ou non? C'est quoi cette question? C'est tellement évident que l'air du Mesbéah, il n'est pas comme le Mesbéah. Pourquoi c'est évident? Parce qu'il dit, si tu considères que l'air du Mesbéah, c'est comme le Mesbéah, il pose une question. Il dit, oh là, t'as off, dépêche la bamahashava, hechi meshkahat là. Nous on sait quand il fait Ola Ta'uf, ça dépend la volaille Korban Ola. Il fait l'amlika sur le Mesbéah, d'accord? Et après il asperce donc sur le en haut du Mesbéah. Ola Ta'uf c'est en haut du Mesbéah. Si le Kohen, en faisant l'amlika, il pense une mauvaise pensée, donc faire les aspersions hors délai, etc. Si on dit que l'espace aérien du Mesbéah, c'est comme le Mesbéah. Donc, quand il avait, le Kohen, il attrape la volaille, il lui fait l'amlika, même s'il pense des pensées, donc, dehors. Donc, normalement, quand il pense des choses dehors, c'est plus cool, c'est pas bon. Mais comme tu dis que l'espace aérien, c'est comme en bas, c'est la même chose. Ça veut dire que la volaille, elle est déjà sur le Mesbéah. Donc, même si elle, nous, on sait que des choses passoules qui descendent, si on les remonte, on les laisse. Mais là, il y est dessus, lui. Alors, comment on peut avoir le cas de Pissoul avec la Mahashava de Pigoul? Si on dit que l'espace aérien du Mesbéah, il est comme le Mesbéah, jamais ça peut se faire. Pourquoi? Parce que, normalement, quand on fait une mauvaise pensée, qu'est-ce qu'on fait? On descend la voilà et on la jette. Mais là, toi, tu dis que l'espace aérien et le Mesbéah, ce n'est pas la même chose. Non, on dit c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu dis que c'est la même chose, ça veut dire que c'est comme si qu'en fait la volaille qui était sur le Mesbéah, même si tu l'as descendue, tu es obligé de la remonter. Comme dans tous les cas on a dit, si quelque chose elle est pas saoule, on la remonte sur le Mesbéah, elle y reste. Alors comment tu dis qu'on peut pas y a pigoule dans c'est impossible qu'il y ait pigoule avec cette volaille quand on est sur le Mesbéah. Ici, on dit que l'espace aérien, c'est comme le sol. Puisque le Mesbéah, il l'a attrapé, ça veut dire qu'on dit que l'espace et le sol, c'est la même chose. Alors ça, c'est Rava qui objecte. Donc comment tu te poses la question? C'est évident que c'est non. Alors, il vient Rav Shimi, lui, il objecte. Il dit, pourquoi tu dis non? Il y a une possibilité. Voilà, je te donne un cas comment ça marche. C'est-à-dire, Kegon, le Kohen, il dit comme ça. De Amar, Harine Morka, Alminat et Hodida le Mahat, ou le Haalota ou le Haktira. Il dit, le Kohen, il dit comme ça, je vais faire l'amnéka de cette volaille dans l'intention de la faire descendre demain. Et après, ou le Haalota ou le Haktira, après il veut la remonter et la remettre sur le Mesbéah pour donc la brûler sur le Mesbéah. Donc dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle Mahashev Pigoul, c'est-à-dire que Alors, il dit. Donc, si lui, il
dit comme ça, je vais vers l'amleka de la volaille dans l'intention de la descendre demain. Donc déjà, il fait donc un délai hors temps, puisqu'il veut la faire le lendemain, alors que normalement il faut la faire et brûler le soir même. Donc si lui, il la descend le lendemain matin, même si tu me dis que le mesbéh capte avec l'air, le fait qu'il a descendu, nous on a dit compte, quelque chose de pas soul, on l'a monté sur le mesbéh, on ne la descend pas. Mais quand on l'a fait descendre, on n'a plus le droit de la remonter. Donc là aussi c'est pareil. S'il dit je vais la descendre le lendemain, et il a descendu, il ne peut plus la remonter après. Donc tu vois bien, ça peut marcher. Et donc le cas de l'espace aérien de mesbéh, c'est comme le père, ça peut être aussi bien. Alors l'agma a dit, d'accord, la bonne réponse, mais Hani Hale Rava, cette réponse, elle marche seulement pour Rava de Amar, l'ina mo'enet be rosh ha-mesbéah, qui a dit Rava, le fait de passer la nuit donc au sommet du mesbéah, c'est comme si c'était pas soul. Ça, c'est d'accord. Mais elle allait là-bas de Amar, et l'ina mo'enet be rosh ha-mesbéah, l'étané mahashato. Dans ces cas-là, Rava lui dit non, le fait de rester sur le mesbéah, ça s'appelle pas en dehors du Beit HaMikdash, et la voilà, elle est toujours cachée. Donc elle n'a jamais été pas soul. Donc on peut la remettre. Alors comment ça peut marcher avec lui? Selon Rabat, comment ça marche? Alors l'agma répond, les Rabat n'a mis mashkahat là, qui rendait amar, hadin et moka amenet oda kodim amoud ashaha, ou la alota le hara amoud ashaha. Alors l'agma dit, voilà une autre option. Selon Rabat, le Kohen dit comme ça, je vais faire l'amlika de cette volaille, donc, dans l'intention de la descendre avant l'aube. Et quand il dit la descendre avant l'aube, ça veut dire que tant qu'elle n'est pas restée de la nuit donc sur le mesbéah, c'est un problème. Et il veut la faire remonter après l'aube. Et là, le korban, il n'est pas soul. Parce que nous, on a dit, un korban qui n'est pas à l'aube sur le mesbéah, ça ne le rend pas soul. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de ne pas être à l'aube sur le mesbéah, il n'est pas soul. Donc, tu vois bien que c'est faisable. Mais c'est quoi le problème, Rabban Moshé? La question, est-ce que l'espace aérien de mesbéah, il est comme le mesbéah, oui ou non? Et ça devrait être bon, parce que... On est en train de discuter, on demande pas... Non, mais la fumée, par exemple, dit qu'il y avait une colonne de fumée qui montait jusqu'au ciel en haut. Quel rapport? Si la viande, elle est sur le mesbéah, sur le sol, c'est la même chose que si elle était en l'air, la question ne se pose pas. Mais si on dit qu'elle est en l'air, elle est comme si, c'est comme si elle n'était pas sur le sol. D'accord. Il y a un gros problème. Puisque si elle n'est pas sur le sol, c'est comme si on l'a fait descendre. Et donc, il y a un puissant, on ne peut pas le ramener après. Alors, l'agma, donc, on a trouvé ce norabat, et ce norabat, comment ça marche aussi. Alors, l'agma a dit, d'accord, mais les argisamé hatif chaud. Il dit, mais moi, donc, jusqu'à présent, on a prouvé que c'est obligé que le mesbéah, l'espace aérien, ce n'est pas comme si le sol. Mais il lui dit, mais moi aussi, je peux trouver que par un argument, que l'espace aérien du mesbéah, c'est comme le mesbéah. Car si tu ne dis pas ça, il y a un problème aussi. Lequel? Si tu imagines que l'espace aérien du mesbéah, ce n'est pas comme le sol du mesbéah, il y a un problème. Lequel? Il dit comme ça. Si on prend hatat aof, donc la volaille qui est comme un hatat, que donc on fait l'amlika sur le mesbéah, et après, comme un hatat aof, on fait les aspersions en bas. Hatat aof, c'est en haut, hatat aof en bas. Donc s'il a fait l'amlika donc de la volaille sur Berosh HaMesbéah, alors que normalement le hatat on l'a fait en bas, pas sur le mesbéah. Donc le fait de la mettre sur le mesbéah, Hatat en psula, ça veut dire que psula, lui il a dit chelo l'ishma. Voilà, il a fait une mnika d'une volaille hatat, pas l'ishma. Quand c'est pas l'ishma, elle est pas soul. Quand elle est pas soul, normalement, quand on est en bas, on la remonte pas. Mais là, quand on est, comme elle est remontée, ce qu'on a dit, ma'alou, lo hirdu. D'accord. Alors la Gemara pose une question. Comment il fait l'aspersion des sons sur le mesbéah? Si on dit que l'air du mesbéah, c'est pas comme le mesbéah. Quand tu prends le sang dans la main, enfin dans la volaille dans ta main, quand tu prends le sang dans la main, le sang n'est plus en contact avec le mesbéah. Donc je suis peu sur le mesbéah. Donc le sang, il est pas soul, et donc je ne peux plus l'asperger. D'accord? C'est ça la question. Puisque le fait d'avoir, que l'espace aérien n'est pas le même que le sol,
Donc quand je tiens le sang dans ma main, c'est comme si que le sang il est en dehors du Mesbéa. Dans la coupelle et dans l'espace du Mesbéa. Exactement, mais donc comme tu dis que l'espace hein, c'est pas le même que le Mesbéa, donc automatiquement le sang il est pas sûr, on ne peut pas faire l'aspersion. La coupelle là, c'est... Mais ça va rien, même dans la main, je parle pas de coupelle, non. Sha'al peut se libérer avec les hauts, mesdames. Alors, l'agma a dit la même chose. Là, on a parlé de Hatata ou Pesola. Prends les autres corbanotes, même des behemoth, qu'on a fait monter sur le Mesbéa. Donc, normalement, le sang, il n'est pas saoul, puisqu'il est sur l'espace. Puisque le sang, il faut le faire. Donc, il faut l'asperger sur le Mesbéa. Mais quand on le prend au-dessus, dans l'air, et que l'espace aérien n'est pas le même que le sol, là aussi, c'est comme si on n'était plus sur le Mesbéa, on est ailleurs, dans un autre endroit. Donc, il n'est pas sur le... Comment tu veux les aspersions? Donc, c'est problématique. Alors, le moi lui dit non. Tu sais quoi? Des magas, les hauts. Il dit, tu sais quoi? Parce que lui, quand il fait la shaita, par exemple, de la volaille, c'est pas qu'il asperge. Il fait toucher dans le sens... Il le met sur le côté, carrément sur le mur. Voilà, la volaille, il le met en contact avec... C'est pas qu'il verse comme ça. Il met directement. Donc, on touche le mur, on est sur le mur, on n'est pas dans l'air. Alors, il dit, mais ça, c'est plus une haza'a. Haza'a, c'est asperger. Et faire ça, ça s'appelle mitsui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on a dit, on presse le cou de la volaille sur le mur. C'est pas une haza'a. La même chose, quand on verse à distance, et quand tu mets dessus sur le mur, ça s'appelle verser pour les animaux. C'est comme ça qu'on fait le hasa'a, le Moïse dit, c'est comme ça qu'on fait le hasa'a, c'est pas comme ça. Alors, Amar, c'est pas ça, Ravashi répond, il dit comme ça, c'est vrai, tu as raison. Si vraiment, le Kohen il est au-dessus de Mesbéa, c'est vrai qu'il y a un problème. Que comment tu fais l'aspersion si on imagine que l'espace aérien n'est pas le même que le sol lui-même. Et donc, si on est sur le Mesbéa même, l'Agma a dit, c'est pas un problème, pourquoi? Parce que le Mesbéa, il est Mekadesh, tout ce qui monte sur lui, et donc il n'y a plus de problème d'espace aérien ou pas aérien. Parce que le Mesbéa lui-même, c'est tout ce qu'il y a sur le Mesbéa, le sol et en bas, c'est la même chose. L'espace aérien et le sol, c'est pareil. La question de l'Agmaral est en fait, la question de l'Agmaral, c'est quand on tient les choses Pasoul, pas dans la main du Kohen, mais avec un roseau, suspendu à un roseau. C'est ça le moral pose, parce que quand on est le même, si vous voulez, comme on a dit tout à l'heure, que la viande elle est sur le Kohen et le Kohen est sur le Mesbéa, ça le problème ne se pose pas. La question elle est, c'est quand on a, par exemple, on tient les graisses ou les morceaux de viande avec un canet, avec une tige, voilà avec un intermédiaire, c'est ça la question, est-ce que l'espace aérien il est comme le Mesbéa ou non? Et donc du coup, il n'y a pas de problème avec toutes les options qu'on a amenées, avec Hatat Absalam, mais moi, ça c'est pas du tout un problème, parce qu'on les tient dans la main. Alors sur la question, si on les met avec une tige, oui ou non, ça marche ou ça ne marche pas, l'agma a dit, il n'y a pas de réponse.